Eh bien, mon cher confrère, je lève mon verre à vos futurs et certainement très prochains succès. Merci, monsieur le bâtonnier. Permettez-moi de mon côté de boire à votre santé. À ma santé. Savez-vous que vous venez d'exprimer une nuance très intéressante? Ainsi, à votre avis, j'aurais déjà récolté plus que ma part de succès. Il serait temps que je laisse la place à d'autres, et je ferais mieux, l'âge venant, de me préoccuper très sérieusement de ma santé. C'est bien cela que vous avez voulu dire. Oh, je vous assure, monsieur le bâtonnier, que jamais... Alors, je plaisantais. Quand on est comme vous, l'heureux propriétaire d'un vin aussi spirituel, on comprend la plaisanterie, même quand elle n'est pas très drôle. Vos succès, donc, et à ma santé. Ah, les temps sont bien changés. Autrefois, le jeune avocat qui s'installait attendait en tremblant la visite du bâtonnier. Mais moi aussi, j'ai tremblé. Je n'en crois pas un mot. Mais si, monsieur le bâtonnier, j'avais peur que le vin ne soit pas à votre goût. Mon cher confrère, vous êtes un redoutable farceur. Ce vin est parfait. Ou plutôt, il l'était, car ce coquin se laisse boire sans qu'on y prenne garde. Oh, excusez-moi. Mais, merci. Devant le tribunal de l'histoire, je réclame les circonstances atténuantes pour tous les prévaricateurs qui ont exercé leur coupable industrie dans notre belle Touraine. Il était humainement impossible qu'ils résistassent à de tels pots de vin. Merci pour lui, le compliment n'est pas mince. Alors, j'avoue que si quelques coups du sort m'obligeaient à me défaire de l'héritage familial, je vendrais tout plutôt que de toucher à ma vigne. Et vous continueriez à faire des jaloux. Moi, par exemple. Mais pourquoi disiez-vous tout à l'heure que le jeune avocat attendait en tremblant la visite du bâtonnier? Parce que cela était vrai, mon cher confrère. Je n'en doute pas, mais encore... Mais tous n'avaient pas la chance d'être des fils de famille. Certains même commencèrent fort pauvrement. Et pour avoir le droit d'ouvrir un cabinet, de travailler à leur compte, et non plus chez un patron, il fallait que le bâtonnier visitât leur installation. Et je vous assure qu'il ne s'agissait pas d'une simple visite de tradition comme aujourd'hui. Dans certains barreaux, le bâtonnier ne se dérange même plus. Ah non, c'était une véritable inspection. Et pourtant, les règles de l'ordre sont assez simples. Un salon d'attente et une pièce à usage exclusif de bureau. Et dans ce bureau, pas de divan. Cet objet constituait déjà le commencement d'un attentat aux bonnes mœurs. C'était la belle époque. Ah oui. Il y avait aussi une question de bibliothèque, je crois. Ah, la bibliothèque. Mais oui, quel souci. Un avocat se devait de posséder ce signe extérieur de richesse intellectuelle. Pour juger de la qualité de cette bibliothèque, on avait recours au système métrique. Oui, les Français sont très fiers du système métrique. Oui, il fallait pouvoir présenter tant de mètres de rayonnage. Ah là, je n'ai plus le chiffre en tête. Et les volumes devaient être reliés, s'il vous plaît. Les libraires étaient au courant de cet usage et débitaient des volumes d'occasion au mètre. Ce qui explique la bizarre érudition de certains avocats. Aucune époque n'a eu et n'aura jamais le privilège exclusif de la bêtise. Ben, c'est pourquoi je suis optimiste. Oh, excusez-moi, monsieur le bâtonnier, je vais chercher une autre bouteille. Ah, gardez-vous-en bien, j'ai bu mon contoff. Celle-ci a été condamnée à plusieurs années de détention. Ah, taisez-vous, tentateur. Vraiment? Ah oui, vraiment. Vraiment, il est tard, faut que je rentre. Et avant de prendre congé, permettez-moi deux remarques. Tout d'abord celle-ci. Vous êtes jeune, votre situation de fortune vous assure une certaine liberté, et une liberté certaine. Ne vous spécialisez pas trop vite. La spécialisation à l'excès est une des plaies du monde moderne. Pendant un an ou deux, trois si possible, acceptez donc de plaider tout ce qui se présentera. Vous apprendrez véritablement votre métier. Seconde remarque, dans les débuts, n'ayez jamais peur de faire appel à moi. Ah mais oui, je suis là pour vous guider, pour vous conseiller. Au moindre doute, n'hésitez pas à m'appeler. On a beau vous avoir mis en garde, vous n'imaginez pas le nombre de pièges qu'on peut tendre à un avocat. Et c'est normal, après tout. Dans les enceintes de justice, on ne rencontre pas que des honnêtes gens. Voilà. Au revoir, mon cher confrère. Tout à fait enchanté de cette visite. Hé, hey, les traditions ont parfois du bon. Au revoir, monsieur le bâtonnier.
Vous avez oublié quelque chose, monsieur Lebat? Oh, excusez-moi. Vous désirez, monsieur? Maître Robineau. C'est ici. Puis le voir? C'est moi, monsieur. Ah, très bien. C'est à quel sujet, monsieur? Eh bien, vous avez l'habitude de recevoir vos clients sur le palier? Ah, parce que... Non, mais ai-je une tête à vendre des savonnettes ou à placer des aspirateurs? Ah non, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Non, mais je n'avais pas le temps de prendre rendez-vous. Mais pour le moment, ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez donc m'accorder une consultation? Mais oui, naturellement. Alors, qu'attendez-vous pour me dire d'entrer? Ben, en effet. Je vous en prie, monsieur, donnez-vous la peine. Merci. La domestique ne prend son service que lundi et... Dites-moi, vous êtes seul dans cet appartement? Oui. Alors, fermez la porte. La porte? Ah, bah oui, bien sûr. Non, au verrou, s'il vous plaît. Je n'aime pas être surpris. S'il n'y a que cela pour vous faire plaisir... Non, il n'y a pas que ça. Où est votre bureau? Par ici. Et je vous en prie, monsieur, entrez. Merci. Asseyez-vous. Non, pardon. Je préfère me promener de long à large. Comme vous voudrez. Mais vous, asseyez-vous. Non, moi aussi, j'aime bien rester debout. Mais je vous ai dit de vous asseoir. Mais monsieur... Voilà, silence. Je réfléchis. Non, dites donc, vous allez me parler sur un autre ton, s'il vous plaît. C'est vrai, excusez-moi, j'ai l'habitude de commander et d'être obéi, ce qui ne va pas toujours ensemble. Bon. Ainsi, vous êtes avocat? Je suppose que c'est pour ça que vous êtes venu me voir. Non, du tout. Dans ce cas, je ne vois pas très bien ce que je puis faire pour vous. Ben, vous m'avez déjà sauvé la vie. Ah, c'est pas si mal. Monsieur, je ne comprends pas. Venez ici, vous comprendrez. Regardez par la fenêtre, discrètement, sans remuer les rideaux. Alors? Vous voyez cet homme qui fait les 100 pas sur le trottoir d'en face? Oui. C'est pour lui échapper que je suis entré dans cet immeuble. C'est seulement ensuite que j'ai vu votre plaque d'avocat, une plaque toute neuve. Comprenez maintenant? Non. J'avoue que non. Cet homme que vous avez vu là veut me tuer. Voulez-vous que j'appelle la police? Non, je vous l'interdis. Et c'est pourtant mon devoir, sinon je tombe sous le coup de la loi. Non-assistance à personne. Non, mais le secret professionnel, qu'est-ce que vous en faites? Je suis votre client. Pas encore. Ah oui, oh, c'est juste. Tenez. Voici 500 000 anciens francs de provision. Alors maintenant, vous êtes mon avocat? Non. Comment ça, non? Je n'ai le droit de toucher des honoraires que pour une affaire bien déterminée. Mais un homme veut me tuer, vous trouvez qu'il ne s'agit pas d'une affaire bien déterminée? Ne croyez-vous pas qu'il serait infiniment plus simple de commencer par le commencement, c'est-à-dire de me déclarer qui vous êtes? Hein? Ce ne serait pas plus simple? Non. Rien n'est simple dans cette affaire. Mais dans ce cas, reprenez votre argent. Ah ben, c'est ça, pour que vous appeliez la police. En principe, c'est elle qui est chargée de la protection des citoyens. Mais je ne peux pas porter plainte. Pourquoi? Pourquoi? Ça me regarde. Dans ces conditions, puisque vous n'avez aucune confiance en moi, je suis au regret. Je ne puis me charger de vos intérêts. Allons, soyons sérieux. Je n'ai jamais été aussi sérieux. Mais ce ne serait pas la première fois qu'un client cacherait une partie de la vérité à son avocat. Ou ces sortes de clients perdent généralement leur procès. Oh, c'est faux. Et je suis bien placé pour le savoir. S'ils ne disent pas toute la vérité, du moins ne font-ils pas mystère de leur identité? Indiquez-moi-le. L'escalier de service, oui, je connais la disposition de ces vieilles maisons. L'entrée de service donne généralement sur l'autre rue. C'est exact, mais... Alors, non, 500 billets, oui, pour l'escalier de service. C'est beaucoup trop. Ou beaucoup trop peu. Monsieur, reprenez votre argent. Vous n'allez pas me jeter dans les pattes de ce tueur. Non, il n'en est pas question. Je vais vous indiquer la sortie de service, gratuitement, puisque vous tenez absolument à sortir par là. Vous me plaisez. Oui. Comment vous appelez-vous déjà? Jean-Marc Robineau, avocat à la cour. Maître Robineau, vous me plaisez. Prenez cet argent qui ne représente qu'une modeste provision, d'ailleurs. À dater de cette minute, vous êtes mon avocat. Dès mon retour à Paris, je balance les autres incapables qui me coûtent les yeux de la tête. Je ne veux plus qu'un seul avocat, vous. Je vais faire votre fortune, je suis comme ça, moi, quand les gens me plaisent. Oui. Vous voyez bien que je vous fais confiance. Pas encore tout à fait. Comment ça, mon cher maître? Vous ne m'avez même pas dit votre nom. Ah, c'est vrai. Mais quand vous me connaîtrez mieux, vous ne vous étonnerez plus de mon comportement. Je suis comme ça, moi, je fonce. Je ne vous ai pas dit mon nom, hein. C'est drôle. Oh, j'ai quelques excuses aussi. Partout où je vais, du portier au président directeur général, tout le monde me connaît.
Je n'ai que très rarement l'occasion de me présenter. Je suis Paul Stanislavski. Le constructeur promoteur? Oui. J'ai acheté récemment une petite maison du côté de Vouray. Je construis de grands ensembles pour les autres. J'aime les petites maisons pour moi. À condition qu'elles ne soient pas trop petites quand même. Je suis moi-même propriétaire d'une vigne à Vouray. Ah, mais nous aurions pu nous rencontrer en d'autres circonstances. Vous ne voulez toujours pas vous asseoir? Ah non, je vous remercie. Eh bien, que puis-je faire pour vous, monsieur Stanislavski? Mais m'indiquer l'escalier de service, ça, je vous l'ai déjà dit. Que... Non, non, il ne s'agit pas d'une lubie de ma part. Je n'en retire rien de ce que j'ai dit tout à l'heure. À partir de maintenant, maître Robineau, vous êtes mon avocat. Nous sommes vendredi soir et dès lundi midi, vous n'aurez pas trop de tous vos classeurs pour ranger les dossiers Stanislavski. Vous allez engager du personnel, vous dis-je. Dans ces conditions, il me semble que vous êtes parfaitement en accord avec les règles de votre ordre en acceptant cette provision. Ne pourriez-vous pas me la verser lundi en même temps que vous me communiqueriez les dossiers? Mais pourquoi? C'est que... Et les banques sont fermées, je ne tiens pas à conserver une somme aussi importante sur moi. Si ce n'est que ça, je vais vous faire un chèque. Mais non, lundi, ce sera très bien lundi. Si, j'y tiens. D'abord, ça m'obligera à m'asseoir, ce que vous me demandez de faire depuis que je suis entré dans votre bureau. Et ensuite, lundi, si vous avez changé d'avis, si vous refusez de vous occuper de mes intérêts, vous n'aurez qu'à moi tourner ce chèque. Ah, nous disions donc... Maître Robineau, 5 000 francs. Voilà. Voici, mon cher maître. Ah, au fait, puisque vous êtes mon avocat, je vais vous confier cette enveloppe cachetée. Non, mais... Écoutez... Qu'y a-t-il encore? Mais je ne suis pas notaire, monsieur Stanislavski, et je ne sais si je dois accepter ce dépôt. Mais qui vous parle de dépôt? Il s'agit d'une pièce capitale, tout à fait capitale, que vous verserez au premier dossier dont vous aurez à vous occuper pour moi. Quel dossier? Mais il n'importe. Nous examinerons tout ça lundi. Mais non, monsieur Stanislavski, je oh dois mon savoir... Mon Dieu, est-ce que vous êtes pointilleux? Et n'est-ce pas une qualité indispensable pour l'avocat d'un homme tel que vous? Un homme qui fonce comme un bulldozer sans s'occuper toujours des conséquences. Parbleu, vous avez raison. Décidément, vous me plairez. Que dois-je inscrire sur ce dossier? Ce que vous voudrez. Non, monsieur Stanislavski, je ne sais pas, moi, mettons, Stanislavski contre... contre X. Oui, c'est ça, contre X. Chantage, escroquerie, tentative de meurtre, contre X. C'est ça, c'est très bien. Bien. Naturellement, aucune idée sur l'identité de ce mystérieux monsieur X. Ah ouais, c'est l'homme qui fait les 100 pas sur le trottoir d'en face. Et vous ne le connaissez pas? Ah, mais si, je ne connais que lui, vous pensez? Et ben alors... Alors, si je porte plainte, après vous avoir consulté, bien sûr, puisque vous êtes mon avocat, si je porte plainte, ce sera vraisemblablement une plainte contre X. Quoi, qu'y a-t-il? J'ai dit quelque chose qui vous chagrine? Ah, oui et non. Eh ben, n'en parlons plus, voulez-vous? Oui, c'est ça, n'en parlons plus. Et je vous redonne cette enveloppe. Mais il n'en est pas question. Vous la gardez. Sur moi, elle n'est pas en sécurité. Vous la gardez. Et si ce monsieur X vous rembourse ça, inscrivez donc sur le dossier « Divorce Paul Stanislavski ». Vous avez l'intention de divorcer? Et peut-être. Vous ne paraissez pas très fixé sur la destination de cette pièce capitale. Bah, de toute manière, il s'agit de la même affaire. Vous le verrez lundi quand nous ouvrirons cette enveloppe ensemble. Ah, mon cher maître, il ne me reste plus qu'à prendre congé. Ayez la bonté, s'il vous plaît, de m'indiquer l'escalier de service. Décidément, vous y tenez. Ah, je pense bien. Une question de vie ou de mort. Et figurez-vous que j'aime la vie. Oh, je n'ai pas l'intention de mourir avant longtemps. C'est par là? Non, par ici. Excusez-moi, je passe devant. Je vous en prie. Nous y voici. Attendez. Hein. La porte est fermée. Les clés doivent être dans la cuisine. Attendez-moi, je... Oui. Je vais vous ouvrir. Merci. Et à lundi, mon cher maître. C'est ça. À lundi. Au revoir, monsieur Stanislavski. Maître Robineau? Lui-même, que désirez-vous? Alain Maréchal, des services spéciaux. Puis-je entrer? Je vais vous entretenir d'une affaire extrêmement importante. Mais je vous en prie, monsieur, entrez. Venez, par ici. Asseyez-vous. Je vous écoute. Voulez-vous jeter un coup d'œil sur cette carte? N'étant pas policier, monsieur, je n'ai nul besoin d'examiner vos papiers d'identité. Vous me déclarez vous appeler Alain Maréchal, pour moi ça suffit. Pas pour le moment, du moins.
Ce coupe-fil recommande aux autorités civiles et militaires de me prêter aide et assistance. Désolé, monsieur, mais je ne possède pas la plus petite parcelle d'autorité civile ou militaire. Vous êtes citoyen français, et en tant que tel, vous devez m'aider. Depuis 20 minutes, je fais les 100 pas sur le trottoir d'en face. Je surveille votre maison. Oui, en effet, je vous ai remarqué. Oui. Et moi, j'ai remarqué deux silhouettes derrière ces rideaux. C'est pourquoi j'ai tout lieu de croire que l'homme qui est entré dans cet immeuble se trouvait chez vous. Est-ce exact? Comment vous le dirais-je? Simplement en me répondant par oui ou par non. Et le secret professionnel? Vous semblez faire bon marché du secret professionnel. Je vous dis que je l'ai vu entrer. Je me suis renseigné. Il n'a pas sonné aux autres étages. Et de toute manière, je l'ai aperçu derrière les rideaux. Dans ces conditions, que vous importe ma réponse? Connaissez-vous Paul Stanislavski? Je veux dire, l'avez-vous rencontré avant sa visite de cet après-midi? Seriez-vous prêt à affirmer que l'homme qui était tout à l'heure dans votre bureau était bien Stanislavski? Vous ne voulez pas répondre? Non. Robineau, vous n'êtes pas très chic, ni très malin d'ailleurs. Le dossier Stanislavski est encore sur votre bureau, je le vois d'ici. Faute professionnelle, mon cher maître. Non, ce n'est pas une faute, c'est une erreur. C'est toujours une erreur de recevoir des visiteurs trop indiscrets. Bien, monsieur, je ne vous retiens pas. C'était vraiment inutile d'ouvrir tout un dossier pour une simple enveloppe. Car ce dossier ne contient et ne contiendra jamais qu'une seule pièce. Une enveloppe cachetée et rien d'autre. Vous voyez que je suis bien renseigné. Oui ou non, est-ce que je me trompe? Ce dossier a son utilité. Il vous prouve que je suis l'avocat de Stanislavski et qu'en conséquence, je n'ai à répondre à aucune de vos questions. Oh, allons. Vous n'êtes pas son avocat. Il s'est servi de vous, il vous a manœuvré. Il se sentait perdu, nous allions le coffrer. Il fallait qu'il mette ce document en sûreté, en abusant de votre naïveté. Vous êtes son complice involontaire. D'ailleurs, Stanislavski s'est bien gardé de vous dire ce que contenait cette enveloppe. Je ne vous le dirai pas non plus. Croyez-moi, dans ces sortes d'affaires, on en semi, on se porte. Bon, je vais vous établir un reçu en bonne et due forme et vous allez me donner cette enveloppe. C'est d'accord, Robineau? Ça vous ennuierait beaucoup de m'appeler maître? Est-ce que je vous appelle Alain? Soyez pas susceptible. J'ai l'habitude de mener rondement de telles transactions. Plus tard, vous me remercierez de vous avoir tiré d'un joli pétrin. Vous avez beau être innocent, si les journaux se mêlent de l'affaire, vous ferez tout de même figure de coupable et votre réputation d'avocat peut avoir à souffrir. Oui. Donnez-moi cette enveloppe. Monsieur, je vous prie de sortir. Ne le prenez pas sur ce temps. Ce n'est pas votre intérêt. Oui, oh, je n'ai besoin de personne pour veiller sur mes intérêts. Vous êtes bien jeune, maître Robineau. L'indépendance du barreau est une belle chose. Elle repose sur de nobles principes. Elle ne vous oblige pas à partir en guerre ouverte contre les services officiels. Vous êtes bien jeune, maître Robineau. Depuis combien de temps êtes-vous avocat? 350 ans. L'est-il? Mon nom de famille est Robineau, ce qui signifie que j'appartiens à une famille de Robins, d'hommes de robe. Et depuis plus de 3 siècles, il y a toujours eu un ou plusieurs Robineau avocats. Alors vous pensez, en 350 ans, nous en avons vu défiler des autorités civiles et militaires. Je ne vous retiens pas davantage, vous avez affaire. Au revoir, monsieur Maréchal. Pouvez-vous me montrer l'escalier de service? Non. C'est un simple escalier de service et non un escalier dérobé. Il ne saurait intéresser un policier. Vous êtes fier de vous, hein? Ah oui, assez. Je fais mettre votre immeuble sous surveillance. Et si jamais vous cachez Stanislavski, cela vous coûtera cher. Au revoir, monsieur. Allô? Oui, pourrais-je parler à monsieur le bâtonnier? De la part de Jean-Marc Robineau. Oh, mes hommages, madame, excusez-moi, je n'avais pas reconnu votre voix. Le bâtonnier n'est pas rentré. Mais oui, il était chez moi à la traditionnelle visite. Important.
Ah oui, assez, je pense. Oh non, je vous remercie, madame, mais il faut que je lui parle. Il m'avait recommandé de ne pas hésiter à faire appel à lui, je ne pensais pas devoir le faire si tôt. Et, veuillez m'excuser, madame, on sonne à la porte et je suis seul. Ah non, la domestique ne doit prendre son service que lundi, je ne pouvais pas supposer que dès le premier jour. Mais oui, madame, j'ai déjà un premier dossier. De bon augure. En vérité, je ne sais pas. Inquiet, plutôt, et c'est pourquoi je me permettrai de rappeler le bâtonnier à l'heure du dîner. Oui, c'est ça, faites-lui part de mon coup de téléphone. Je vous remercie. Mes hommages, madame. Maître Robineau. C'est moi, madame. Il faut que je vous parle, maître Robineau. Je vous en prie, madame, entrez. Pardon. Merci. Ici. Asseyez-vous. Je vous remercie. Je vous écoute, madame. Vous avez un appartement meublé avec un goût rare. Enfin, rare chez un célibataire de votre âge, mes compliments. Oui, comme on ne connaît jamais bien les gens avant de les voir évoluer dans leur cadre familier, je tenais à faire votre connaissance ici même. On m'a parlé de vous en termes tellement dithyrambiques que j'ai voulu me rendre compte. Je suis très sensible à ces compliments. Puis-je savoir à qui je les dois ? À mon mari. Je suis madame Stanislavski. Ah ah. Pourquoi cet étonnement ? Notre ménage vous semble mal assorti ? Bien, madame, je... Oh, je suis plus jeune que mon mari, certes, mais la différence est moins grande qu'il n'y paraît. Paul fait beaucoup plus que son âge. Alors, quand venez-vous dîner à la maison ? Je ne sais pas, madame. Comment, mais Paul ne vous a pas encore invité ? Oh, ça m'étonne de lui. Quand venez-vous ? Je ne sais pas, madame. Oh, demain soir, nous avons des gens à Saumon, nous n'aurons pas le temps de bavarder. Dimanche, je suppose que vous êtes occupée. Voulez-vous lundi soir ? Si vous voulez, madame. Qu'avez-vous fait pour séduire Paul à ce point ? Il est tellement méfiant d'ordinaire. Il parlait de vous en termes si élogieux que j'ai profité de la première occasion pour vous connaître. J'avais hâte de me faire une opinion par moi-même. J'espère qu'elle n'est pas trop défavorable. Je vous le dirai plus tard. Attendons de devenir amis. Mon mari voulait revenir vous voir, mais malheureusement, au dernier moment, il en a été empêché. Alors je suis venue à sa place. Tout à l'heure, il vous a confié un document, une enveloppe cachetée. Oh, mais poursuivez, madame, je vous écoute. Oui, figurez-vous qu'il s'est trompé. Il m'a donné... attendez, la voici. Oui, il m'a donné cette enveloppe également cachetée, qui est celle que vous devez verser au dossier qu'il vous a demandé d'ouvrir. Je vous remercie, madame. Et vous me redonnez l'autre dont il a le plus urgent besoin. Impossible, madame. Mais puisque je vous affirme qu'il s'agit d'une erreur... Je n'en doute pas, madame, mais pour vous expliquer mes raisons, il faudrait que je viole le secret professionnel. Oh. Je suis l'avocat de Monsieur Stanislavski. Eh bien, si vous êtes son avocat, vous êtes aussi le mien. Ah, mais pas du tout, madame. Ah, pardon, je possède un tiers des actions de la société. Et Paul ne peut prendre aucune décision sans mon consentement. Autrement, il est en minorité en face des autres. Mais je n'ai pas dit que j'étais l'avocat de la société Stanislavski. J'ai dit que j'étais l'avocat de Monsieur Paul Stanislavski. Et le dossier qu'il m'a confié est un dossier d'ordre privé. Je ne peux vous en dire plus sans violer le secret professionnel. Oh, le secret professionnel entre mari et femme. Non, laissez-moi rire. Non, donnez-moi cette enveloppe. Paul attend après, et si je m'attarde davantage, je vais avoir droit à une désagréable scène de jalousie. Et... Assez, madame. Assez. Mais qu'est-ce qui vous prend tout à coup ? Il me prend que j'en ai assez de la comédie que vous me jouez depuis que vous êtes entrée dans ce bureau. Oh. Non, madame, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas votre mari qui vous envoie. Il n'a pas pu vous parler de mes talents. Il avait bien d'autres préoccupations le temps qu'il est resté dans ce bureau. Et vous avez de la chance que ce fameux secret professionnel qui vous fait tant rire m'interdise de vous jeter à la face un mot, un seul, qui dégonflerait d'un seul coup votre superbe assurance. Pourquoi me parlez-vous si durement ? Parce que vous le méritez. Vous êtes très fort. Oh non, madame, non, je ne suis pas très fort. Je suis tout simplement un peu moins naïf que ne l'exigeait la réussite de votre plan. Après tout, il se peut que vous ayez réellement du talent. Je serai lundi soir chez vous. Merci de votre aimable invitation. À présent, je pense que nous n'avons plus rien à nous dire. Oh si, si, justement. C'est au contraire le moment de tout nous dire, tout. Qu'entendez-vous par tout ? Toute la vérité. Oui, oui, je vous ai menti. Je vous ai menti dès l'instant où j'ai sonné à votre porte. Je vous ai menti tout le temps et surtout.
sauf quand je vous ai dit que je vous trouvais extrêmement sympathique. Vous ne pouviez pas mentir puisque vous ne l'avez pas dit. Non, mais c'est possible, je l'ai pensé si fort que j'ai cru l'avoir dit. C'est fait maintenant. Non, non, vous avez deviné juste. Ce n'est pas Paul qui m'a envoyé vers vous. J'ai agi de ma propre initiative pour essayer de sauver ce qui pouvait être sauvé. Vous pouvez ouvrir l'enveloppe que je voulais vous faire accepter à la place de l'autre. Mais si, si, ouvrez-la. Un beau document, n'est-ce pas? Une feuille de papier blanc. Qu'aurait dit votre mari en se rendant compte de la substitution? Oh, ses réactions sont imprévisibles. Imprévisibles et dérisoires. Oh, si vous saviez comme je suis malheureuse. Quelle a été ma vie durant ces derniers mois? Alors, maître, il faut m'aider. Je suis à bout, je ne sais plus quoi faire, conseillez-moi. Oh, madame, je ne puis être à la fois votre conseiller et celui de votre mari. Mais nos intérêts sont les mêmes. C'est possible, madame, mais... Un avocat a bien le droit de refuser de plaider une cause. Oh, certes, oui. Alors abandonnez mon mari et occupez-vous de moi. Et vous nous sauverez tous les deux. Je vous en prie. Combien vous a-t-il donné d'argent? Je vous offre le double. Mon devoir est de vous informer, madame, que même si j'avais l'inélégance de me conduire ainsi... Les règles de l'ordre me feraient une obligation de transmettre tout le dossier au nouvel avocat choisi par votre mari. Mais il n'y a pas de dossier, vous le savez très bien. Il n'y a que cette enveloppe qui renferme un document sans aucun rapport avec un procès de divorce. Ah, oui, je ne suis pas à même d'en juger. Après tout, peut-être s'agit-il d'une feuille blanche, comme celle que vous vouliez me donner. Non. Non, hélas. Il s'agit d'un document très important pour mon mari, pour moi et pour la société. Quel genre de document? Pourquoi ne l'avez-vous pas demandé à mon mari? Nous devions l'examiner ensemble lundi. Ah, lundi. Ah, oh, c'est cela, quand il sera trop tard. Le conseil d'administration se réunit demain. Mm-hmm. Enfin, quand je dis conseil d'administration, l'expression est un peu pompeuse. En fait, cette réunion intime a lieu chez nous, dans notre maison de Vouvray. Excepté notre associé, les autres participants sont des parents, à qui nous avons fait cadeau d'une part chacun, uniquement pour être en règle avec la loi sur les sociétés anonymes. Ce document que vous détenez est une pièce comptable de la plus haute importance. Je ne suis pas expert en la matière, mais il me semble qu'il doit être relativement facile de reconstituer cette pièce manquante. Un simple examen des livres devrait y suffire. Vous n'êtes pas expert en la matière, en effet. Non, ce que j'appelle une pièce comptable de la plus haute importance, c'est justement une pièce dont on ne trouve nulle trace dans les livres. Je veux bien vous faire cette confidence. Vous êtes l'avocat de mon mari et non celui du fisc. Mais pourquoi ne pas essayer de joindre votre mari au téléphone? C'est lui qu'il faut convaincre et non pas moi. Inutile, il n'est pas à la maison. Il avait des clients à voir à Orléans et ensuite il devait rencontrer notre associé qui a une maison à Olivet. Et il doit passer la nuit là-bas. Ah, dans ce cas, évidemment. Je me flatte pourtant d'être une femme d'affaires... Avec vous, maître, j'ai tout tenté. Le mensonge grossier, la sincérité absolue et la corruption la plus éhontée. Vous n'avez pas cédé. Si vous changez d'avis, et quelle que soit l'heure, vous pouvez venir me voir. Ce soir, je serai seule. Je ne pense pas devoir changer d'avis. Mon cher confrère, permettez-moi de vous dire que vous avez été quelque peu imprudent en acceptant en dépôt cette enveloppe cachetée. Mais monsieur le bâtonnier, je ne pouvais pas prévoir. À ma place, qu'auriez-vous fait? À votre place et à votre âge, j'aurais accepté, moi aussi. Ah. À mon âge et à ma place, on se serait bien gardé de venir me le proposer. Oui, c'est ce que les imbéciles appellent l'expérience. Enfin, essayons d'y voir clair. J'ai l'impression d'être responsable de cette mort. Ah, je vous en prie, pas de bêtises, s'il vous plaît. Attendez d'accompagner l'un de vos clients à la guillotine pour parler de responsabilité. Tout de même, il me semble que j'aurais pu... Regret superflu, vous dis-je. Non, examinons plutôt les faits. Vendredi soir, aussitôt après que je vous ai quitté, vous recevez 3 visites. Oui. Première visite, Paul Stanislavski. Oui. Celui-ci vous propose de devenir son avocat, vous acceptez. Il vous demande de lui garder un document important, vous acceptez encore.
Ce n'est pas ce que vous faites de mieux, mais enfin, vous acceptez. Survient alors l'homme au manteau couleur de Murat qui s'intéresse de très près à cette enveloppe. Vous l'envoyez sur les roses. Mm-hmm. Je vous donne ma bénédiction, vous avez agi comme il le fallait. C'est le tour enfin de Madame Stanislavski qui voudrait bien, elle aussi, récupérer ce bout de papier. Elle s'en va sans vous fléchir. Bravo! Nous sommes vendredi soir, il est 8 heures. Qu'est-ce que vous faites, vous, Robineau? Je prends ma voiture et je rejoins des amis qui m'attendent pour le week-end. Pendant ce week-end, rien. Comment cela, rien? Oui, enfin, je veux dire, rien qui concerne cette affaire. Personne ne vous téléphone, personne n'essaie d'entrer en contact avec vous. Non, absolument personne. Parfait. Quand entrez-vous ici? Enfin, dans ce bureau? Tout à l'heure, à l'instant, pour ainsi dire. Le temps que je vous appelle au téléphone et que vous veniez. Bien. Nous sommes donc lundi matin et vous entrez dans cette pièce. Pour constater que le tiroir de mon bureau a été forcé, que le dossier Stanislavski est vide et que l'enveloppe a disparu. Aucune trace d'effraction, ni aux portes ni aux fenêtres. Comme si le voleur possédait l'une des clés de l'appartement, celle de l'entrée principale ou celle de l'entrée de service. Mais votre voleur n'a rien emporté d'autre que cette enveloppe? Eh non, rien d'autre. En attendant, vous lisez le journal local et vous apprenez que Paul Stanislavski s'est suicidé. Mm-hmm. Oui. Tout d'abord, une première question. Êtes-vous sûr qu'il s'agit bien du même Stanislavski? Oh, tout à fait certain, monsieur le bâtonnier. La photographie publiée par le journal ne me laisse aucun doute. Or, moi, je prétends que ce suicide est tout à fait impossible. Oui, ne nous emballons pas, voulez-vous? Vous m'aviez bien dit que Stanislavski vous avait signé un chèque. Oui, un chèque de 5 000 francs. Ce chèque n'a pas disparu? Non, je l'avais mis dans mon portefeuille que j'ai gardé sur moi. Ah, enfin quelque chose de tangible. Quelque chose qui prouve que Stanislavski vous a bien rendu visite. Fait que voulez-vous dire? Mais je ne doute pas de votre parole, mon cher ami. Mais dites-vous bien que Stanislavski étant mort, le document ayant disparu, ni Madame Stanislavski, ni l'homme au manteau couleur de muraille, à condition de mettre la main dessus, ne reconnaîtront jamais avoir fait une démarche auprès de vous pour récupérer cette enveloppe. Qu'on organise une confrontation et je saurais bien les confondre. Oui, j'ai grand peur que non. Tels que vous les avez décrits l'un et l'autre, ils sont capables de nier jusqu'au bout. Ah, mais alors, monsieur le bâtonnier, que dois-je faire? Je ne peux tout de même pas laisser commettre un crime, pour ainsi dire, sous mes yeux, sans avoir aucune réaction. Oui, il faut nous assurer tout d'abord qu'il s'agit bien d'un crime et non d'un suicide. Fort heureusement, vous avez encore en votre possession le chèque de Stanislavski, ce qui prouve que vous êtes son avocat. Les policiers chargés de l'enquête ne refuseront certainement pas de recevoir l'avocat du défunt, accompagné de son bâtonnier, si vous voulez bien. Je ne demande pas mieux, monsieur le bâtonnier, j'avais peur de vous importuner. Vous ne m'importunez nullement, mon cher confrère. Je serai là pour vous relever du secret professionnel si cela est nécessaire. Et puis, que voulez-vous? Malgré 30 années bientôt passées dans le prétoire, j'ai conservé tout de même un sentiment assez vif de la justice. Ne vous ai-je pas dit l'autre fois que j'étais un optimiste? Oh, monsieur le bâtonnier. Mon cher confrère, qu'y a-t-il? L'individu assis là-bas sur ce banc. C'est l'homme au manteau couleur de muraille, comme vous dites. Ah, vous voyez bien qu'il y a une justice. Celui-là ne nous aura pas fait courir longtemps. Messieurs, je vous en prie, si vous voulez bien me suivre. Monsieur le bâtonnier, j'espère que je ne vous ai pas fait attendre trop longtemps. J'avais donné des ordres pour qu'on me prévienne de votre arrivée. Prenez place, je vous en prie. Merci, mon cher commissaire. Permettez-moi de vous présenter Maître Robineau, un jeune espoir de notre barreau. Enchanté. Enchanté. Asseyez-vous, maître. J'ai connu autrefois Robineau, et qui était avocat également. Ah, c'était mon père. Et mon jeune confrère est l'avocat de Paul Stanislavski. Ah, très bien. Oui, et à ce titre, il aurait aimé connaître, si cela était possible, les circonstances exactes de la mort de son client. Oh, vous savez, c'est une affaire sans mystère et les journaux en ont donné une relation très fidèle. Dans l'après-midi de samedi, des promeneurs remarquent une voiture arrêtée sur un chemin forestier. Ils s'approchent. Malgré la température clémente, toutes les vitres sont fermées. À l'intérieur, un homme semble dormir.
Un tube de matière plastique, genre tuyau d'arrosage, sort d'un déflecteur arrière pour rejoindre le pot d'échappement. Le suicide classique au gaz d'échappement. Monsieur le commissaire, le médecin légiste vous a-t-il fait parvenir son rapport? Mais oui, je l'ai sous les yeux. La mort est due à l'oxyde de carbone. Rien d'autre? Si, attendez. Oui, on a relevé la présence de barbiturique, mais ce détail est également classique. Beaucoup de suicidés avalent quelques cachets pour s'abrutir et ne pas être tentés d'ouvrir les portières au dernier moment, n'est-ce pas? Pour vous donc, monsieur le commissaire, le suicide ne fait aucun doute? Oh, à peu près aucun doute, en effet. Et les raisons de ce suicide? D'après les premiers renseignements que j'ai pu recueillir, ce geste serait imputable au surmenage. Mais Stanislavski était un homme très actif, peut-être trop actif. J'ai alerté à tout hasard la brigade financière, mais non, je crois que de ce côté-là, il n'y a rien à redouter. D'ailleurs, le conseil d'administration de la société va publier, conjointement avec certaines banques, un communiqué destiné à rassurer les souscripteurs, toujours sensibilisés par ces sortes d'affaires. Non, je pense que le surmenage est seul en cause. Mais vous le connaissiez bien, qu'en pensez-vous, maître? Mais précisément, monsieur le commissaire, je suis loin d'être d'accord avec la thèse du suicide. Je suis parmi les derniers à l'avoir vu vivant et j'ai quitté un homme qui n'avait pas la moindre intention de se supprimer. Tiens. Mais vous êtes en contradiction avec tous les témoignages rassemblés jusqu'à présent. Était-il techniquement possible d'aider Stanislavski à se suicider? Vous voulez dire de camoufler un meurtre? Oui. Était-ce techniquement possible? Avez-vous relevé dans les constatations faites sur les lieux quelques indices qui rendraient cette éventualité absolument improbable? Bof. Non. Non, évidemment. Enfin, il arrive tout de même de temps en temps que les suicides soient de vrais suicides. Vous savez. En vous attendant, mon cher commissaire, nous avons rencontré un homme qui s'appelle Alain Maréchal. Pouvez-vous me dire si vous le connaissez? Pas encore, mais ça ne va pas tarder, c'est moi qui l'ai convoqué. Pour l'affaire Stanislavski? Et naturellement, oui. Puisqu'Alain Maréchal est le principal actionnaire de la société Stanislavski. Enfin, le plus important après les époux Stanislavski. Ah! Étonné de me voir, maître Robineau. Que voulez-vous? Causer. Je n'en ai guère le temps, j'ai beaucoup de travail. Déjà? Cela ne fait pas 4 jours que vous avez ouvert votre cabinet. Exact. Mais le meurtre de Paul Stanislavski est une affaire qui ne me laisse pas un instant de répit. Pourquoi dites-vous le meurtre? La police semble avoir une opinion bien différente. Oh, je sais, monsieur Maréchal, je sais. Mon travail consiste justement à la faire changer d'opinion. Et à quel titre vous occupez-vous de cette affaire? Bien, mais je suis l'avocat de Paul Stanislavski. C'est vrai. Je comprends. La longue amitié qui vous unissait au défunt. Oui, j'avais su capter sa confiance et certaines de ses confidences éclairent d'un jour tout à fait inattendu sa fin brutale. Ah oui, oui. Et bien maintenant, monsieur Maréchal, je vais vous demander de bien vouloir vous retirer. Si vous voulez un rendez-vous, le plus simple serait de m'écrire pour prendre date. Que pensez-vous de mon attitude de ce matin? Rien. Enfin, rien que je puisse vous dire. C'était un avertissement, maître Robineau. Vous avez eu un petit échantillon de ce qui vous attendait s'il vous prenait fantaisie de faire état de ma visite de vendredi dernier. Oui. Vous n'appartenez plus aux services spéciaux, c'est ça? Maintenant, parlons sérieusement. Mais je n'ai jamais cessé d'être sérieux. Pas vous. Edith a dû vous dire les vraies raisons qui nous incitaient à vouloir récupérer ce document. Et qui est Edith? Madame Stanislavski. Au cours de sa visite, elle vous a fait part des craintes qu'elle éprouvait au sujet de Paul. Craintes, hélas, que les événements ont justifiées. Depuis un certain moment, notre brave Paul n'était plus le même. Les journaux sont bien aimables de ne parler seulement que de surmenage. Edith vous a dit ce qu'elle endurait depuis plusieurs mois? Je ne sais pas. Comment vous ne savez pas? Mais non, je ne sais pas, puisque j'ignore même si Madame Stanislavski m'a rendu visite. Décidément, avec vous, il n'y a pas moyen de s'entendre. Ah, j'en ai peur. Je ne suis pas plus susceptible qu'un autre.
Mais à la longue, je me fatigue d'être constamment pris pour un naïf doublé d'un imbécile. C'est humain, non? Alors, au revoir, monsieur Maréchal. Au revoir, maître Robineau. Ah, vous ne me demandez pas ce qu'est devenu ce fameux document pour lequel vous avez dépensé des trésors de mensonges et d'ingéniosité? Pourquoi? On a retrouvé votre voleur? Vous savez donc qu'on me l'avait volé? C'est du moins ce que m'a dit le commissaire ce matin. Ah, je ne savais pas les policiers si peu discrets. Au revoir, monsieur Maréchal. Alors, mon chéri? Embrasse-moi d'abord. Non. Pourquoi? Les domestiques pourraient nous voir. Ils en ont vu d'autres. Oh, peut-être, mais c'était du vivant de Paul. On est plus exigeant pour une veuve. Ça m'est égal. Je t'embrasse quand même. Oh, oh, Alain. C'est comme ça, madame. Alors, raconte. Ça y est, tu l'as? Allons, Edith. Est-ce que j'aurais cette mine réjouie si j'avais échoué? Oh, raconte. Non, ça n'a pas dû être facile avec ce petit crétin. Comment s'appelle-t-il déjà? Rabolio, Bobino, Ramolo... Oh, Robineau. Ah, oui, c'est ça. Maître Jean-Marc Robineau. Ne pas oublier le maître, surtout. Nous avons 350 années de tradition derrière nous. Oui, sous ces dehors surannées, c'est un coriace. Hein? Je ne suis pas de ton avis. Oh, vous autres hommes, vous avez souvent trop vite fait de classer tous ceux qui sont de 15 ans vos cadets dans la catégorie des bébés inoffensifs. Ah, j'imagine ce que tu devais être à son âge. Tu ne peux pas me comparer à ce petit provincial timoré. Moi, à 25 ans, j'avais déjà réussi 2 ou 3 coups fumants. Oui, oui, allons, mon chéri, ne raconte pas ta vie, je la connais. Et dis-moi plutôt comment ça s'est passé. Eh bien, au début, le monsieur n'était pas trop bien disposé. Oui. Il n'avait pas digéré le coup de l'agent des services spéciaux. Ah, personnellement, j'ai toujours été contre. Je trouvais ça grotesque. C'est un coup qui m'a réussi plus d'une fois. Oui, mais avec des gens qui ont quelque chose à se reprocher, pas avec les autres. Tout le monde a quelque chose à se reprocher. Oui, 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 nous philosopherons plus tard. Hein. Alors raconte. Bon, bah, écoute, je vais pas entrer dans les détails. Je suis resté plus de 2 heures dans son bureau. Une fois arrangé le coup des services spéciaux, j'ai attaqué Bill en tête. Il n'a pas sourcillé. Il n'a pas poussé des hauts cris. Il m'a simplement fait remarquer qu'il comprenait parfaitement la valeur représentée par ce document. Il avait ouvert l'enveloppe? Eh oui. Ouais. À qui se fier? Il en a profité pour faire monter le prix. Ah, très haut? Oui, assez. C'est-à-dire? 5 briques. Il a fallu que j'aille à la banque les chercher, il ne voulait pas de chèque. C'est un bout de papier qui me revient cher. Nous ferons les comptes à la fin du mois, je te les rembourserai. Je peux voir? Tu n'as pas confiance en moi? Mais si, naturellement. Seulement j'aime bien voir ce que j'achète. Tiens. Regarde. Ouais, c'est bien ça. Voici mon briquet. Veux-tu y mettre le fait toi-même? Non, je le garde. Pourquoi? Ah, je l'ai payé assez cher. Mais enfin, c'est ridicule. T'as pas confiance en moi? Mais si, naturellement. Seulement, je ne sais pas. Ce serait peut-être plus prudent de la détruire. Non, je le garde. Pourquoi? Puisque je te le rachèterai. Ah, pour le moment, il est à moi. Mais je t'assure que c'est tout à fait stupide. Peut-être. Pour moi, c'est un souvenir. Un drôle de souvenir. Et c'est à cause de ça, à cause de ce bout de papier que Paul s'est suicidé. Et alors, raison de plus pour le détruire. Le passé, c'est le passé. Oh. Paul valait mieux que nous. Il n'a pas pu supporter la trahison de 2 êtres qu'il aimait. Cette crise de sentimentalité ne te ressemble pas. Ah, je ne sais pas. Depuis ce suicide, je ne suis plus moi-même. Je me sens responsable. Mais tu es ridicule. De son vivant, tu n'avais pas de mots assez méprisants pour parler de Paul. Et maintenant qu'il est mort, le voici paré de toutes les vertus. C'était pourtant pas un petit saint, tout de même. Alors, c'était un grand monsieur. Sans qui tu serais toujours resté le petit margoulin sans envergure que j'ai connu. Edith. Je le croyais dur, insensible. Il ne l'était pas. Son amour pour moi était sincère. Il l'a prouvé. Edith, mon petit... Non, ne me touche pas. Je crois, vois-tu, que les absents n'ont pas toujours tort. Vous le voyez, maître, la curiosité a été plus forte que le dégoût et je vous reçois quand même.
J'ai pensé qu'après tout, vous étiez l'un des derniers à avoir vu Paul vivant. Et qu'à ce titre, j'aurais un certain nombre de questions à vous poser. Moi aussi, madame. Ah, j'aime mieux vous dire tout de suite que je ne suis disposée à répondre à aucune. J'admire l'audace chez un homme jeune, mais il est tout de même certaines limites que je ne voudrais pas dépasser. Je ne comprends pas, madame, ce que ma démarche peut avoir d'audacieux. Je suis l'avocat de Monsieur Stanislavski. Oui, je suis payée pour le savoir. Ou plutôt, je vous ai payé pour le savoir. Non, ne parlons pas d'argent, voulez-vous, cela vaudra mieux. Mais si, parlons-en. Je suis venu pour ça. Oh, vous n'avez plus aucun moyen de chantage sur nous. Et j'estime que la somme que vous avez touchée compense très largement le service que vous avez pu nous rendre. Quel service ? Et quel argent ? Ah, je sais, vous avez refusé le chèque, vous avez exigé de l'argent liquide. Mais non, madame, c'est le contraire. J'ai refusé l'argent liquide et j'ai demandé, ou plutôt on m'a offert un chèque, que j'ai toujours d'ailleurs. Je ne l'ai pas déposé à ma banque. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Mais la vérité, madame. Tenez, voulez-vous le voir, ce chèque ? Je l'ai sur moi. Ah oui, je suis vraiment curieuse de le voir, car de son côté, ma banque me l'a débité. Et regardez, madame. Oui, mais c'est un chèque de Paul. La provision qu'il m'a versée pour que je devienne son avocat. Oui, mais je ne vous parle pas de ça. Je vous parle de l'argent que je vous ai versé, moi. Et comment auriez-vous versé de l'argent ? C'est la première fois que nous nous voyons depuis le soir de la mort de votre mari. Vous avez toujours refusé de me recevoir. Non, ne jouons pas sur les mots, voulez-vous ? L'argent que vous a versé, monsieur Maréchal. Enfin, n'irez-vous avoir rencontré monsieur Maréchal ? Ah non, bien sûr. Je l'ai vu, et probablement pour la dernière fois, après ce que je lui ai dit. Enfin, maître Robineau. Alain vous a bien versé en argent liquide une somme de 5 millions d'anciens francs en échange du document que vous avez confié mon mari. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oui, l'argent liquide ne laisse pas de traces et c'est bien utile pour ce genre de transaction. Hein ? Mais enfin, madame, quelle transaction ? Ben, l'achat du document, parbleu ! Et comment aurais-je pu vendre un document qui n'était plus en ma possession ? Enfin, expliquez-moi comment ! Mais où était-il alors ? On me l'avait volé. Ah ! Ah, vraiment, maître Robineau, je vous dois des excuses. Vous êtes décidément beaucoup plus fort que je ne l'avais supposé, et vous avez réponse à tout. Mais seulement ce document, à présent, c'est moi qui l'ai. Alain me l'a rapporté au retour de sa visite chez vous. Il voulait le détruire, et j'ai été bien inspirée en l'en empêchant. Tout à fait d'accord avec vous, madame, vous avez été vraiment très bien inspirée. Grâce à lui, je vais sans doute parvenir à prouver ce que je sais depuis le début. Votre mari a été assassiné. Quoi ? Votre mari a été assassiné. Vous ne vous en doutiez pas, madame. Non. Non, je ne vous crois pas. Vous tentez une manœuvre de diversion pour ne pas vous expliquer sur la vente du document. Oh, je peux prouver facilement tout ce que j'avance. À quelle heure, maréchal, prétend-il m'avoir rencontré ? Vers 2 heures de l'après-midi. Exact. Mais depuis le matin 10 heures, j'avais porté plainte pour le vol dont j'ai été réellement victime. Renseignez-vous, cela vous sera facile et mes témoins sont d'une moralité irréprochable. Ce sont le bâtonnier et le commissaire de police. Et puis, madame, sans nous connaître bien, nous avons eu tout de même l'occasion de bavarder assez longuement ce vendredi soir. Vous aussi, vous m'avez proposé de l'argent, avec tact, discrétion presque. J'ai refusé, fermement. Croyez-vous que ce soit pour traiter avec cette barbouze d'opérette ? Oui, mais à ce moment-là, mon mari était encore vivant. Vous aviez tout intérêt à ne pas le trahir. Et quel serait, s'il vous plaît, mon intérêt à le trahir maintenant ? Mais, tout simplement... L'argent. Non, décidément, depuis le début, vous vous obstinez à me prendre pour un imbécile. Non, ça devient vexant. Dites-vous bien que si j'étais le maître chanteur que vous croyez, je n'aurais pas eu la bêtise de me séparer de la seule arme que j'avais contre vous. Je serais devenu l'avocat de la société et le document serait resté à l'abri dans mon coffre. Au fait, de quel document s'agit-il ? Un chèque. Un simple chèque. Oui, ce jour-là, Paul nous avait surpris ensemble et... Oh, sa colère a été terrible, terrible. Il a obligé Alain à lui signer un chèque. Ce chèque, tenez, regardez-le, à l'ordre de M. Paul Stanislavski. Une somme de 1 million de francs. Avec ce chèque, mon mari le tenait. Les parts d'Alain dans la société n'étaient pas négociables sur cette base. À tout moment, il suffisait que Paul dépose ce chèque à sa banque pour qu'Alain soit poursuivi pour émission de chèques sans provision. Et c'est M. Maréchal qui vous a remis ce chèque ? Oui. Comme je ne l'avais plus au moment où il m'a rendu visite, comment a-t-il fait pour se le procurer ? Oh, taisez-vous. Oh, taisez-vous. Oh, j'entrevois la vérité. Oh, cette vérité me fait peur. Mais non. Regardez-la en oh, face. Oh, mon Dieu. Si vous ne m'aviez pas menti tout au long de votre visite, M. Stanislavski serait encore de ce monde. Non, taisez-vous, je vous en supplie. Non.
Non, non, madame. Dites-vous bien que la même personne qui m'a volé ce document a assassiné votre mari. Oh. Si je pouvais produire ce chèque, le parquet rouvrirait l'enquête. Je n'ai aucun pouvoir, évidemment, pour vous demander de me remettre ce chèque, mais je crois que ce serait mieux. Oh, tenez. Tenez, prenez-le. En considérant la manière dont je le traitais de son vivant, je n'aurais pas l'hypocrisie de parler de devoir envers la mémoire de mon mari, mais enfin... Enfin, je l'ai trompé, certes, parce que je croyais que je ne l'aimais pas. Oh, maintenant, je me rends compte. Oh, ne souriez pas, oui. Oui, je l'aimais. Je l'aimais. Oh, et puis... Oh, c'est infiniment moins noble. Oui, j'ai peur. J'ai peur, très égoïstement. Je me demande où Alain va s'arrêter. Oui, 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 j'ai peur. Tenez, maître Robineau, prenez ce chèque. Faites votre devoir. D'ailleurs, mon mari ne vous l'avait-il pas confié? Alors, puisque vous êtes son avocat... Je vous remercie, madame.